À Brignon, 250 sportifs se sont pris de passion pour l'escalade. Une activité à pratiquer à partir de 5 ans. Les enfants représentent d'ailleurs 2/3 des licenciés. C'est un sport complet sur le plan physique, hein, qui développe évidemment des qualités de souplesse, des qualités de force, mais c'est aussi des qualités morales, hein, d'engagement, parce qu'il faut aller mousquetonner la dégaine au-dessus, c'est pas toujours facile. Ça demande aussi des qualités d'altruisme, faire confiance aux collègues qui vous assurent en bas, et c'est très formateur pour les jeunes, et c'est un sport que je conseille à tout le monde. Dans le gymnase du collège, deux murs d'escalade présentent une 60aine de voies à explorer, avec surplomb, dévers et toutes les autres difficultés auxquelles les grimpeurs aiment se confronter. Je surveille un petit peu ma compagne qui grimpe. Ça se passe bien, on s'éclate bien. C'est un club sympa. Je sais pas, ça m'a fait monter l'adrénaline et tout, c'est bien. Quand j'étais toute petite, j'étais pas très persévérante et j'abandonnais facilement. Alors mes parents, ils ont eu l'idée de me mettre à l'escalade et depuis j'adore ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est trop court là. Il n'y a pas assez de cordes qui dépassent. Hein. C'est un mur dans le Gard où on n'a pas cette hauteur. En général, les murs de collège sont plutôt autour de 9-10 mètres. Et nous, sur la partie la plus haute, on a 12 mètres de hauteur et 15 mètres de développé. Guillaume et Marcel, les deux éducateurs sportifs, encadrent les pratiquants tous les soirs de la semaine à partir de 17h. Le week-end, c'est en extérieur, sur les falaises, qu'ils initient ou perfectionnent les licenciés.